elle va bien. Merci, Dennis. Non, c'est toi qui l'as fait, pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais où sont les autres? Il y aurait un moyen pour les repérer? Tu sais comment je peux faire? Écoute, Jason, les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa? C'est un bateau échoué sur une plage tout près. Et gardé par des pirates. C'est la voix du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide. Thank you.
te tiens, connard! Il y a du monde, je crois. Trouvez celui qui a... Oh! Filme les demandes de rançon à PC. Il demande des rançons, mais il m'a dit de trouver des acheteurs. Ouais. Une fois qu'on aura récupéré le fric des parents, on va les vendre au marché noir et les livrer aux acheteurs. On est payé deux fois. C'est trop fort. Hé hey, fermez vos gueules. Quelqu'un a déclenché une alarme sur Ebedoussa. Bande de débiles. On est à côté. Je le vois d'ici. Merde. Quand me tomber dessus. Je suis prêt. Salut, Dennis. Je me suis fait le Medusa. Les pirates ont envoyé un message. Jason, Vaz veut tous nous tuer. Pas le temps de parler. Reviens à Amanaki tout de suite. Il faut que tu nous aides.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vaz se prépare à attaquer notre village. Il est en train de rassembler toutes les armes qu'il a. Mes amis aussi sont en danger. Qu'est-ce que ce message disait? Ils les ont emmenés dans un endroit appelé PC. Vaz va demander une rançon, mais il va quand même les vendre. Alors c'est un avantage. Ça te laisse du temps. Jason, s'il te plaît, bats-toi avec nous. Sinon les Rakat se feront massacrer. Si tu peux détruire leurs armes, ça affaiblira Vaz. Et on pourra le tuer. Je m'en occupe. Ah. J'étais sûr que tu allais nous aider. Les pirates entreposent leur arsenal chez les bûcherons dans la jungle. Tu devras d'abord couper l'alarme, ok? Si elle est déclenchée, ils boucleront la cabane qui sert de cache. Vole tes explosifs. Et ensuite, détruis les armes, c'est clair? Ouais, d'accord. Bonne chance.
Après la radio, Vass filme des demandes de rançon à PC. PC Paretskov. Mais pour nous, c'est Sunsetkov. C'est une de leurs prisons. Compris. N'oublie pas, Jason. La force que tu gagnes en suivant la voie contribuera à ta réussite. Thank you.
pirates. Quelle bande d'ordures. À l'avant-poste. Mais si tu veux encore aider les Rakiat, va jeter un œil au panneau d'affichage. On a encore du boulot. Les jobs qui restent à faire sont sur le panneau d'affichage. On leur lâchera rien du tout. Putain de merde ! Allô ? Docteur Earnhardt ? Allô, c'est Daisy. J'ai emprunté le téléphone du docteur. Comment ça va ? Je me rapproche. Et toi, ça va ? Ouais. Le docteur m'a installé dans une grotte sous sa maison. C'est plus sûr à cause des pirates qui passent souvent lui acheter des champis. Mais j'ai trouvé un super truc ici. Faut que tu vois ça. Ok. Je te retrouve plus tard. Avec les autres, j'espère. Super. Bye.
peuvent bien tourner ces vidéos. J'ai trouvé ! Sortez-le de la grotte ! Lisa, j'arrive ! On va faire la prison ! Arrête de la grotte ! Partez les graves et ton... Lisa! Elle est pas là. Non. Non. Je vous en prie. Non. Je veux que tu dises maman, papa. Maman. Papa. Je vous aime. Je vous rentrerai à la maison. Oui, voilà, sauf qu'on va la refaire. Non. Avec plus d'émotion. Allez, vas-y, chérie, recommence. Non. Eva, les brodies viennent de faire un carnage au Médusa. Ben, putain, ben, c'est... Oui. Je suis en train de faire un film, là, d'accord? Si j'étais toi, je resterais pas là. Ces petits enculés ont prononcé le nom, là. De rester poli, hein? Je suis avec une future star de la télé. Merde, fais chier. Qui est bon? Boss! T'es où? Où est-ce que tu retournes? La question, qui t'a tatoué? C'est toi qui te l'a fait, ma soeur t'a fait ce truc, hein? Tu te crois comme nous avec ça? Tu crois que tous les deux on est pareil, hein? C'est que ça les fait bander la jungle, c'est californien. Et ben je vais lui faire un beau trou dans son crâne à ma soeur, comme à ton frère Grant. Je t'emmerde! T'es en colère, Jason. Oui. Tu as la rage. Ok, t'as le droit. Je l'ai aussi. On n'a qu'une famille après tout, c'est vrai. À une époque, j'aurais tout fait pour ma sœur. Tiens, la première fois que j'ai tué, c'était pour elle. Mais ça lui suffisait pas, ça. Oh non, 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 pas du tout. C'est ça le truc avec ce qu'on aime, tu vois. C'est foutu d'être cher. Il te plante un putain de couteau dans le dos à chaque fois. Alors, il est comme ça, il dit passe, passe. Qui ça va ? Ce coup-là, putain ! Ah! Ou moi! Moi! Ou ah! C'est... Non, je te jure, c'est comme s'il se disait que je devais faire un putain de choix. Bon, et ton feu, là, t'as chié. Tu vois? Et bonjour la poésie. C'est vraiment dommage que Citra t'ait tatoué comme ça. La seule façon de te tuer avec ça, c'est de t'effacer complètement. Chut, 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 chut. Jason, je te jure, honnêtement, c'est carrément touchant que tu sois prêt à mourir pour celle que tu aimes. Jason!
porte. Fais la défoncer. Ouais, j'ai failli brûler vive. Alors tu parles d'une réussite. Calme-toi, Lisa. Oh, c'est un cauchemar.
Bon, écoute, je vais tout arranger. Tu sais où les pirates ont amené les autres? Ils ont conduit Oliver dans un endroit appelé le bunker. Je sais pas ce qu'ils ont fait de Kiss ou Daisy. D'accord, et Riley? J'en sais rien, je sais pas où il est, ni Grant. Grant est mort. Oh merde, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé Daisy, et je trouverai les autres. Où est-ce qu'elle est? Bien sûr. Viens, je t'y emmène. Ok. La maison. Lisa? Daisy! T'es vivante! Je suis vraiment navrée, Daisy. Écoute, c'est pas le moment de pleurer. J'ai trouvé ce bateau. Quelques réparations, et on dira adieu à cette île. Ouais, pour couler en pleine mer. Ah ouais, bonjour la confiance. Mais je compte sur vous quand même. On a besoin d'une embase pour le moteur, elle est pas là. Bon bah, j'ai plus qu'à la trouver. Belle trouvaille. T'as pas idée, viens voir. Tu l'as trouvé. Et comme tu es très fort, tu vas arriver à l'installer. Pourquoi déjà, c'est pas toi qui le fais? Parce que j'amorce l'allumage. Ça existe, ça? Ça y est, t'as fini? Presque. Ça y est. Super. Du reste. Je pourrais peut-être aller voir Lisa avant de repartir. La nuit, je rêve que je tourne à Hollywood. Et là, je me réveille ici. Navré que t'aies raté ce tournage. Aucune raison de t'en vouloir. C'est cette virée en parachute que j'aurais dû refuser. Ce qui compte, c'est qu'on soit sain et sauf. Tu m'as sauvé la vie. C'est bien grâce à toi si je suis là. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un plan. T'as raison. Moi, je vais retrouver Riley et les autres. Et toi, tu restes avec Daisy pour arranger le bateau. Bien failli rester déjà, toi et moi. Je sais ce que je fais. T'inquiète pas. Sois prudent. C'est mieux d'aider Daisy. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Tu étais où? Vas m'avait capturé.
J'ai réussi à m'en tirer avec Lisa, mais il a toujours les autres. Je suis pas assez fort pour les libérer. Il te faut plus de pouvoir pour vaincre Vass. Je ne peux pas t'en fournir. Mais quelqu'un peut t'aider. Sidra, tu es prêt. Tu dois aller la voir. Qui est-elle? Sidra, guide notre peuple. Elle te conduira au centre. Elle révélera ton véritable pouvoir. Son temple se trouve dans la jungle. Je te retrouve à l'entrée. D'accord. Mais dans quoi je m'embarque, là ?